sont d'attaque. Complètement d'attaque. C'est pas à nous d'avoir peur, c'est aux autres, donc ça va. La question est de savoir si ce que nous avons trouvé dans l'acte d'accusation trouvera une confirmation pendant ces débats. S'il y a une confirmation pendant les débats, je l'ai déjà déclaré, le cynisme mortifère aura un nom, et ce nom sera Janowski. Sur le banc des partis civils figure aussi le père de Gildo, l'ancien mari d'Hélène Pastor. Lui aussi ne veut qu'une seule chose, connaître la vérité. J'attends que la justice passe. C'est pas le final. Comme dit le professeur Palanca, il attend que la justice passe, et aussi une partie civile a toujours le secret espoir que la vérité jaillisse et que les responsabilités soient reconnues par les auteurs. C'est un espoir, en espérant qu'il ne demeure pas vain. Parce que pour l'instant, à l'instruction, nous avons lu beaucoup de sornettes. Wojciech Janowski est appelé par toute la famille Pastor à parler, à se livrer, à dire toute la vérité. Pour l'instant, son avocat, Éric Dupond-Moretti, a choisi de ne rien dire. Le silence comme défense, une tactique qui pourrait changer. Le procès ne fait que commencer.